Asalfo lance un appel à la jeunesse. Les cérémonies du lancement du FEMUA viennent d'être entamées. Cette année, le FEMUA a pour thème l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans cette optique qu'Asalfo lance un appel à toute la jeunesse pour se mobiliser à l'INJS où se dresseront des stands des entreprises dans le but de rencontrer la jeunesse. Bonjour à tous, bonjour à tous les jeunes. C'est une vidéo exceptionnelle pour un événement exceptionnel. Bon, je ne suis pas trop friand des vidéos sur les réseaux sociaux, mais quand j'en fais, ça vaut la peine. Donc pour moi, c'est pour m'adresser à tous les jeunes. Le FEMUA a ouvert ses portes depuis hier. Et vous savez très bien que le thème cette année, c'est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Donc ce sont des opportunités que nous voulons offrir à toute cette jeunesse. C'est pourquoi toutes les entreprises partenaires du FEMUA ont ouvert leur stand au sein de l'INJS sur le site du festival pour vous accueillir tous les jours à partir de 9h. Donc vous pouvez venir, les opportunités sont là, vous pouvez saisir vos chances. Et puis, il y a l'agence emploi jeune qui a ouvert son stand au sein de l'INJS aussi pour accueillir tous les jeunes en quête d'emploi. Donc venez, venez discuter, il y a des panels, il y a des séminaires, il y a des B2B, il y a des moments d'échange avec tous ces professionnels, avec tous ces entrepreneurs et surtout, je vous le répète, toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Pour nos amis de San Pedro, nous ne vous avons pas oublié parce que notre partenaire Bolloré a décidé d'offrir à l'occasion de ce 14e FEMUA 14 stages à 14 jeunes qui viendront. Ça, c'est pour les jeunes de San Pedro. Donc, venez profiter de ces opportunités aussi. Parce que cette année, tout le monde a en tiré pour son compte. Pour mes amis qui sont dans le domaine des industries culturelles et créatives, qui sont en manque de financement et tout, le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle a décidé de mettre une enveloppe, de mettre à disposition une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour accompagner tous ces jeunes-là qui ont des projets, qui ont lien avec la culture, qui ont lien avec les industries des arts. Donc venez, une enveloppe est mise en place. Le stand d'emploi jeune, de l'agence emploi jeune est sur le site de l'INJS pour vous accueillir. Inscrivez-vous, présentez vos projets, on ne sait jamais. Et pour mes amis auteurs-compositeurs, la SACEM et le BULDA ont décidé cette année de se mettre ensemble pour offrir un séminaire, un panel qui pourra nous permettre d'être un peu situé sur les droits d'auteur. On parle beaucoup de la copie privée en Côte d'Ivoire, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Donc venez, on va discuter. Des experts sont venus d'un peu partout, du Congo, de la France, d'un peu partout en Afrique du Burkina, pour pouvoir s'adresser à vous. C'est la SACEM et le BULDA qui vous invite. C'est le vendredi à partir de 14h au sein de l'INJS. Tous les auteurs-compositeurs sont attendus. C'est ça le FEMUA. Tout le monde, il prend son compte. Tout le monde trouve son compte. C'est ça qu'elle a fait.